Akossi lors de son retour au pays le 3 juillet dernier. De retour d'exil depuis le 3 juillet 2021, Noël Akossi Banjo a un nouveau point de chute au sein de sa formation politique, le PDCIRDA. Le président du PAR, Henri Conan Bédier, a nommé l'ancien maire de la commune du Plateau en qualité de conseiller spécial chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale du président du PDCIRDA. L'ex-président du conseil d'administration, PCA, de la société ivoirienne de raffinage, Sœur, fait désormais partie du cabinet très restreint de l'ancien chef d'État ivoirien. Pour rappel, Bédier avait annoncé le lundi 18 octobre dernier qu'il allait procéder à un réaménagement du secrétariat exécutif de son parti en vue des élections de 2025, c'est désormais chose faite, avec cette première nomination. Akossi Banjo avait été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison, 10 279 millions de francs CFA, environ 16 millions d'euros, d'amende et 5 ans de privation de droit pour détournement de fonds publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Il est revenu de son exil français le 3 juillet 2021 après 3,03 ans passés hors du pays, avec l'accord des autorités ivoiriennes, soutien on.